On retrouve aujourd'hui un de mes signaux préférés, une des choses que j'ai découvertes dans ma carrière de trader lorsque je cherchais un système profitable, rentable. Vous prenez le twist, c'est-à-dire ça. Vous prenez la distance entre les plus bas et le twist. Eh bien, on a tendance beaucoup plus souvent que l'inverse à rallier la même distance de l'autre côté du twist que de ne pas le faire. Ça a été d'ailleurs fait sur cette bougie, sur la Société Générale, mais c'est applicable sur la plupart des actions, la plupart des indices. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Et comme vous pouvez le voir, suite à la séance déterminante de vendredi, la séance de lundi. Euh, est une séance de temporisation. On a réussi a priori, je l'ai dit vendredi, à passer au-dessus de la résistance des 74, 30, 113, 86, mais on voit qu'il n'y a pas véritablement confirmation en ce lundi, avec des cours qui restent quand même euh, en attente et en dessous hein, des, euh, des, du niveau de clôture hein, de, de vendredi. Pourtant, il faut, il faut bien l'admettre, hein, cette double cassure de résistance est réelle l'oblique euh, descendante et la résistance. Donc même si on devait avoir un, un accès de faiblesse, je pense que à terme, euh, l'essentiel est de considérer que la résistance a été cassée et qu'on devrait rebondir pour, euh, pour aller inscrire des plus hauts et en particulier aller chercher la zone de résistance euh, maintenant euh, jaune, là, la résistance mensuelle des 75,80, 75,00. 75, euh, on remarque également que le, le chandelier du jour est... Plutôt, alors, bien sûr, on clôture plus bas que la, la, la séance précédente, hein, puisqu'on a moins 0,07, mais ça reste quand même une bougie verte. Ça veut dire qu'il y a eu des achats hein, au long de la séance, tout au long de la séance par rapport au niveau d'ouverture, et on clôture plus haut que l'on on a ouvert. C'est plutôt un signe positif. Euh, vous avez des bougies Aikinashi d'ailleurs qui montrent que pour l'instant, il n'y a pas d'alerte, hein. ça reste une bougie haussière, une bougie verte sans mèche basse. Et donc, à partir de là, on est, on est plutôt bien orienté, même si je le dis pour la deuxième fois, à court terme, on peut avoir une consolidation. Les éléments techniques à présent. On voit que la tendance immédiate, elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. La tendance, euh, la tendance générale est également haussière, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond est, est euh, on va dire, neutre à haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50, légèrement montante. Et puis surtout, hein, ce sont les autres éléments, ceux qui euh, indiquent une tendance lourde, qui sont positives, qui s'agissent. Alors, pas le super train, parce que le super train a été cassé déjà là, il y a plus d'une semaine. Enfin bon, il reste haussier. Je pense surtout au euh, bandes un hein, indicateur très très lourd, mais qui a euh, ceci de particulier qu'il identifie toutes les tendances euh, lourdes qui se mettent en place. Alors c'est vrai, encore une fois, lorsqu'on est en, en tendance neutre, ça a tendance, comme tous les indicateurs techniques, à donner euh, des faux signaux, comme ça a été le cas ici ou là. Mais euh, tous les mouvements longs, ok, que ce soit ici ou là, ok, ou encore là. Eh bien, euh, indique que euh, on est possiblement, potentiellement, donc à, à, à l'aube hein, d'une impulsion euh, d'ampleur, à moins bien sûr hein, que euh, on est, euh, ce qu'on est, ce qui s'est passé il y a deux séances, enfin les, les deux dernières occurrences. Hein. Euh, J'aimerais vous parler euh, de quelque chose d'important aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous faire perdre du temps par les indicateurs techniques parce qu'il n'y euh, a rien de neuf. J'aimerais vous parler de l'Ishimoku parce que là, pour le coup, vous avez un de mes signaux préférés qui, euh, un de mes setups, un de mes signaux préférés qui vient de se mettre en place. Ça m'a été euh, signalé d'ailleurs dans, dans, dans les vidéos. C'est le twist du nuage. Alors le twist du nuage, euh, vous avez besoin de l'Ishimoku, mais vous allez enlever tout ce dont euh, finalement euh, vous n'allez pas avoir besoin dans l'immédiat. C'est-à-dire que normalement vous avez la tenkan qui apparaît, vous avez la kijun qui apparaît, vous avez la, 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 la ginspan ou chiku qui apparaît. Okay euh, dans la stratégie que je vais vous montrer, vous, vous pouvez tout enlever, vous gardez que le Kumo, que le nuage, ok et voilà, ça quand vous avez la courbe bleue qui passe au-dessus de la courbe verte ou la SSB qui passe au-dessus de la SSA, ça s'appelle un twist du nuage. Okay et euh, j'ai une stratégie qui repose sur la détermination d'un objectif tel que vous avez euh, le, la distance qui est parcourue avant le twist, vous prenez le plus bas et vous prenez le twist, vous reportez ça vers le haut. Okay. Et ça vous donne un objectif qui est rallié beaucoup plus souvent qu'il ne l'est pas. Comme ça. Ou alors si vous voulez mathématiquement, c'est la même chose de prendre euh, les retracements de Fibonacci. Vous mettez en bas le premier point, vous mettez 50% de retracement de Fibonacci au milieu. Bon mathématiquement, ça vous donne exactement le même objectif. Hein? Okay? C'est même plus précis. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Et l'idée surtout, c'est de vous donner une, un biais de marché qui peut vraiment être intéressant pour vous. Alors je vais vous montrer quelques exemples, euh, par exemple pour les données mensuelles. Alors je suis très fier, toujours très fier de vous le montrer parce que c'est une des choses les plus, euh, les plus efficaces que j'ai trouvées euh, dans mes années d'analyse technique et dans ma carrière de trader. Regardez ici, euh, le twist a eu lieu sur ce point. On est en données mensuelles pour le CAC 40 heures, ce sont des objectifs qui sur les données mensuelles sont assez stratosphériques. Hein. Et ça a été touché là. Okay. Alors vous allez dire qu'après-coup c'est facile, sauf que ce n'est pas après-coup, puisque comme vous pouvez le voir, le, le nuage est en avance de 26 périodes par rapport au cours, c'est-à-dire que lorsque le twist a lieu, il est dans le futur, c'est-à-dire que lorsque le twist a lieu, euh, on n'est pas déjà aussi haut. Ou si vous préférez, regardez, lorsque le signal a été donné ici, là, si vous comptez 26 bougies en arrière, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, on était là. C'est ici, ok, que le signal, on était ici lorsque le signal a été donné. Autrement dit, on avait un biais haussier qui nous incitait à penser qu'on irait plus haut. Alors qu'on était, ah bah il suffit que je dise pour que ce ne soit pas vrai. Enfin bon, là ça n'a pas marché. Comme, comme quoi je prépare pas avant. Euh, on avait déjà atteint l'objectif au moment où ça a été fait. Mais vous allez voir, voilà, pour ici ici. Je ne vais pas me faire... Euh, euh, mentir une deuxième fois donc le sien a été donné sur cette bouche ici donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 voilà, on était là en temps réel lorsque le twist a eu lieu et lorsque le twist a eu lieu donc vous prenez le plus bas par rapport au twist et on savait quand on était ici qu'on avait de fortes chances de monter et encore de monter jusqu'à là et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fonctionne également à la baisse, mais beaucoup moins bien. Bref, ce que je suis en train de vous prendre, vous pouvez prendre également des actions. Je prends, je ne sais pas moi, les hasards. Franchement, au hasard, je prends en société générale. Et je me mets en données mensuelles. Et vous allez avoir un phénomène normalement. Alors, prendre... c'est un peu compliqué quand c'est comme ça. Je vais prendre un exemple qui est simple. Voilà, ici. Le Twist, il est là. Vous comptez 26 bougies en arrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 c'était ici donc le twist a eu lieu sur cette bougie-ci donc une fois qu'on était là on savait déjà en données mensuelles que normalement le cours montrait jusqu'à ici là, et ça a été touché donc ici, on savait qu'on irait chercher ce niveau-là et ça a été touché là Okay, donc vous voyez, très généralement, le signal est donné à un moment où l'objectif n'a pas encore été réalisé, c'est un peu l'intérêt. Bref, c'est pour vous montrer comment ça peut, ça peut être utilisé pour les actions, les indices et tout, et surtout à la hausse. Je le répète, je reviens sur mon CAC 40, et j'ai backtesté ça 38 fois. Alors, je vous invite à regarder, alors je me remets en données journalières, parce que c'est ça que j'ai calculé, ainsi, voilà. Donc euh, c'est assez compliqué quand on est en période de trading range, il faut avoir de l'expérience, il va falloir me faire confiance sur ce coup, après avec l'expérience vous allez pouvoir le faire vous-même, mais là vous voyez l'idée c'est que vous prenez les plus bas par rapport au twist baissier, ok, vous prenez le plus bas alors que l'on était en twist baissier, le plus bas il était là, et vous reportez ça par-delà, donc vous prenez 50% et vous mettez ça, donc ça va dans le sens, hein. D'une continuation de la hausse jusqu'ici, ça vous donne un très bon filtre. Hein. Bref, on backtest euh, ici. Alors, je vais en faire quelques-uns avec vous, mais vous allez voir, c'est pas simple hein. quand on est en trading range. Donc, ici, vous prenez le plus bas, vous mettez 50% au milieu, et vous voyez, ça a été un succès puisque ça a été touché sur cette bougie. ici, c'est pas qu'il y a un pouce vert, je continue la part, et là, là c'est facile, ok le plus bas vous mettez 50% au milieu et on a touché l'objectif ici ok donc je continue quand c'est en trading range c'est là que ça fonctionne le moins bien vous, voyez, vous avez des séries qui sont perdantes la 4 trades perdant d'affilée la 2 là vous avez essentiellement des succès deux échecs en trading range ça on n'a pas besoin c'est voilà comme ça c'est des restes de voilà et j'ai fait l'opération, donc, 38 fois. Et sur les 30, euh, sur les, euh, pardon. Oui, 38 fois. Et sur les 38 occurrences, l'objectif a été rallié 26 fois. Il n'a pas été rallié 12 fois. C'est-à-dire qu'on est repassé en dessous des plus bas sans toucher l'objectif haussier. Autrement dit, ça a fonctionné plus de 2 fois sur 3. 68%. Alors en termes de ratio gain risque c'est assez médiocre parce que généralement au moment où ça se passe on est déjà proche de l'objectif mais ça peut s'utiliser de deux manières soit vous rentrez quand même parce que comme les probabilités sont intéressantes ça peut valoir le coup, je vous laisse faire les calculs, deux vous profitez d'une consolidation qui éventuellement nous amènerait sous le twist en pariant sur le fait qu'on va remonter et là vous aurez un ratio gain risque supérieur à 1 pour 2, enfin à 1 pour 1 pardon. Okay, vous, un, enfin, pardon, vous aurez un ratio gain-risque supérieur à 1. Okay, donc, euh, ici, par exemple, je vous donne simplement euh, une illustration. Imaginons que vous achetiez ici après consolidation. Votre objectif étant d'aller là, votre stop de protection étant mis en dessous, ça vous donne un ratio gain-risque. Je fais n'importe quoi, paf, comme ça, et ça vous donne un, un ratio gain-risque de 1,7 par exemple. Ok ou alors vous utilisez ça comme un filtre tout simplement, c'est-à-dire que vous repérez ça sur les données hebdomadaires par exemple et vous saisissez, vous saisissez les, les, vous tradez en sens de, de cette stratégie sur les unités de temps inférieures. Bref. Tout ça pour dire quoi C'est que euh, vous pouvez avoir un biais aussi au regard de cette stratégie, même si ça ne fonctionne entre guillemets que deux fois sur trois, ça, ça est sous donc une fois sur trois. J'espère que ça vous servira parce que moi ça m'a énormément servi dans, dans mes premières années lorsque j'ai cherché un trading euh, gagnant. Et on va terminer donc avec les trades du jour. Mais avant les trades du jour, je voudrais faire écho à un message qui a été laissé sur une des vidéos, c'était ce week-end, par rapport à une remarque totalement légitime qui a été faite, qui était de la nature suivante, c'était que le gros de la performance provient du fait d'être investi quand il faut être investi, et de ne pas être investi, lorsqu'il ne faut pas être investi clairement. Le message disait que... Euh, si le marché prend globalement, je, je caricature. Hein, si le marché prend 10%, mais qu'à ce moment-là vous êtes investi qu'à euh, 20% et que vous êtes liquide à 80%, votre portefeuille va pas tellement augmenter. Et c'est vrai, ok. Euh, il faut être investi quand il faut être investi et ne pas être investi quand il faut pas l'être. Mais le problème, c'est qu'on sait rarement à l'avance quand il faut être investi, en particulier lorsque les tendances. Super haussière commence, on vient d'un trading range où on est méfiant, ou on vient même d'une tendance baissière où on est plus que méfiant. Et euh, la réponse que j'ai apportée à ça, et la réponse que je peux vous apporter par rapport à ça, c'est qu'on ne peut pas prévoir à l'avance d'une inversion euh, l'inversion de tendance. Ce que moi je fais, c'est que je m'arrange toujours pour être 100% investi sur certains portefeuilles et qui compense le fait que je suis très peu investi sur d'autres portefeuilles. Pour donner une illustration, vous savez que j'ai un portefeuille d'accumulation rationnelle. Le portefeuille d'accumulation rationnelle, c'est le format prenez en main votre retraite. Lui, il est toujours toujours investi. Et vous savez très bien que euh, mois après mois, année après année, tous mes profits de, euh, de trading, je les investis en accumulation rationnelle. Je ne fais pas gonfler mon compte de trading. J'écrème à la fin de, enfin régulièrement, que ce soit au bout de trois mois, six mois, un an, ça dépend combien il y a, quoi. Mais euh, je remets à zéro tous les X et je prends les profits, je les mets en accumulation rationnelle. Donc ça, ce portefeuille-là, il est constamment, constamment investi. Ça veut dire, ça m'a permis, par exemple, quand je reviens sur les données hebdomadaires, vous le savez bien, je sais que c'est une digression importante, mais c'est bien de le savoir aussi si vous posez la même question. On a des zones d'accumulation rationnelle et euh, bon, je ne cherche pas à vous mener en bateau, vous le savez très bien, parce que c'est mes vidéos, c'est public, etc. Mais euh, j'ai réussi à investir sur les plus bas. Euh, constamment qu'il s'agisse de cette zone-là, ça a été une zone d'accumulation rationnelle que j'ai exploité. Celle-ci, celle-ci, en fait, j'ai réussi euh, à utiliser cet argent que j'ai euh, pour investir pour mon investissement de long terme, donc euh, le format euh, investir avec des ETF, systématiquement quand on était au plus bas, tout simplement parce que c'est constamment investi et jamais désinvesti. Et ça, ça compense le fait que, par exemple, sur mes actions, euh, pendant très 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 longtemps, et j'ai recommencé à investir il y a à peu près trois mois, mais pendant quasiment six mois, j'étais investi à quasiment 0%. Okay Donc voilà comment moi j'arrive à euh, compenser euh, ce paradoxe hein, qu'il faut être investi, mais on ne peut pas être investi parce qu'au moment où il faut être investi, généralement on n'est pas investi. Voilà, vous avez compris, euh, mais ça me permet également de vous inciter euh, à regarder cette vidéo, prendre en main votre retraite, comme ça vous saurez comment moi je fais et euh, ça pourrait éventuellement vous aider. Les trades du jour, bah, si vous êtes haussier, vous l'avez compris, hein, vous pouvez acheter. Alors maintenant, ça me semble difficile parce que c'est pas que ça va pas monter, vous l'avez compris, hein, si j'utilise euh, la stratégie qu'on a donnée tout à l'heure. Ben, vous le savez bien, j'ai un objectif maintenant de prendre euh, un, un objectif, c'est chercher la zone jaune là, ok, à 7530. Sauf que le ratio gain risque, il n'est pas bon si vous achetez maintenant. Si vous achetez juste maintenant avec un objectif qui est là à 1,33% et un stop de protection sous les plus bas, ça fait un ratio gain risque qui est de 1 pour 4, 0,25. C'est vraiment très très mauvais, ok. Donc vous pouvez soit attendre que ça consolide et dès que vous avez, euh, vous repassez en dessous de la ligne des 50%, vous achetez, vous aurez un ratio gain-risque super. Hein. Ok maintenant c'est plus compliqué que ça parce qu'il faut rapprocher le ratio gain risque, la probabilité de réussite en faisant un calcul d'espérance mathématique, mais ça bon, je vous laisse faire ça tout seul parce que un peu, ça dépend de chacun, il faut faire le travail. Et si vous êtes baissier, vous êtes parfait ici pour entamer un cycle de trade à la baisse. Si vous pensez que c'est monté trop vite et qu'on va avoir un dernier secouage de, de cocotier. Bah, c'est ce que je fais moi. Hein. Vous savez très bien que j'ai rentré un demi-risque ici à 7346 sur cette bougie précisément. Tout est public, c'est sur mon site, donc une position qui est perdante. Et mon deuxième euh, risque, mon deuxième demi-risque, pour l'instant je suis investi. Si je vais chercher mon stop de protection, j'aurais perdu 0,25% de mon capital. Je vais investir encore à peu près dans la zone jaune. Je vous dirai quand, tout à... à moins qu'on rentre directement dans la zone jaune demain, mais ça m'étonnerait. Euh, je rentrerai dans la zone jaune et euh, je mettrai un stop de protection au même moment et euh, évidemment euh, je serai investi donc pleinement et c'est ce que je fais actuellement en espérant que ça va baisser. voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Regardez la vidéo sur prendre en main votre retraite. Ça peut vraiment vous donner euh, des idées. Euh, ça consiste à investir dans des ETF. Si vous connaissez pas les ETF, c'est simplement ça s'achète comme une action, hein, sauf que vous êtes investi sur tout un secteur, tout un pays, toute une, toute une thématique avec une seule action. C'est vraiment euh, parfait pour pour le, pour investir dans le long terme dans ma situation puisque moi je dépends de moi-même pour ma retraite. Ça pourrait vous intéresser également. Excellente journée et à demain pour la mise à jour.